Alors, coucou à tous, on va se retrouver pour ma vidéo bilan du rééquilibrage peut-être alimentaire ou la méthode d'amaigrissement, je sais pas trop comment on peut appeler ça, de la marque SoChef. Je vous en avais parlé au cours d'un vlog si je me souviens bien. Donc j'ai testé et je vais vous donner tout de suite mes impressions par rapport à ce que dit la marque, par rapport à ce qu'on doit attendre de la marque. Comme je vous avais dit dans ma vidéo sur laquelle voilà, je vous en parlais, c'est arrivé dans cette cloche, donc c'est assez sympa parce que finalement ça arrive quand même assez bien présenté, donc de ce côté là rien à dire. J'ai gardé un berlingot quand même pour vous en reparler, donc j'ai gardé le velouté potiron châtaigne que je vais me faire tout à l'heure. Et donc voilà, tout arrive en petit berlingot comme ça. Donc il y a des produits pour le matin, pour le soir, puisque normalement le midi c'est repas libre. Et je me suis armée du petit bouquin pour vous faire quand même un petit récapitulatif de la méthode en elle-même. Il parle de mincir sans se prendre la tête. Donc la méthode SoChef, c'est un smart meal le matin, un autre le soir et un déjeuner totalement libre. Donc effectivement, le matin vous prenez... Après c'est au choix, hein. C'est vous qui faites votre menu entre guillemets. Vous prenez soit un smart meal donc sucré, ça peut être aussi un smart meal salé si vous le souhaitez. Vous avez des smart meal aux fruits, à la framboise, au citron, il y a aussi de la glace menthe chocolat, il y a spéculoos. Moi j'avais pris spéculoos qui n'était pas trop mal. Donc les smart meal en général du matin se prennent froid voire frais, très frais, glacé, ou alors on peut les faire tiédir. Moi j'ai décidé de les boire tiédir parce qu'à l'époque où on était, je me voyais mal me prendre un truc glacé dès le matin. Enfin oui, c'est sûr que ça réveille, hein. Ça c'est comme la douche froide, ça je fais jamais parce que j'ai horreur de ça. Je sais pas vous, mais moi j'aime pas ça. Et c'est vrai qu'il y a plein, il y a quand même pas mal de parfums pour le matin. Vous avez un shaker pour mélanger on va dire la poudre que contient le berlingot avec la quantité d'eau qui est spécifique au produit que vous mettez dedans. Donc pour le matin, voilà, moi j'avais pris, alors j'avais pris spéculoos, que je vous dise pas de bêtises, tarte aux fraises, qu'est-ce que j'avais pris d'autre, cheesecake citron, ouais c'est ça, j'avais pris deux spéculoos, un cheesecake citron et tarte aux fraises. Alors le spéculoos, je trouvais pas que ça avait le goût du gâteau spéculoos en lui-même, voilà, donc j'étais un petit peu déçue là-dessus. Le gâteau citron, enfin le cheesecake au citron avait un très très bon goût de citron et la tarte aux fraises nickel aussi. Mon souci c'est la dilution de la poudre, je trouve que ça se dilue pas bien et on n'a pas, enfin c'est pas agréable en bouche en fait. Déjà qu'on va manger beaucoup de liquide puisque voilà les smart meals sont quand même assez liquides. Je vais vous en parler après pour le reste. Donc ça plus le côté poudreux des grumeaux qui restent, même qu'on secoue fort, enfin Titi a même essayé de le secouer, ça c'était pas flagrant. Donc j'ai pas, franchement j'ai pas adhéré sur le mélange aux poudres, je trouve que c'est pas top. Je pense qu'ils ont des progrès à faire là-dessus, enfin c'est mon avis, hein. Après ils font ce qu'ils veulent. Ensuite vous avez le midi, est donc repas libre. Évidemment, il est déconseillé quand même de se goinfrer le midi de choses grasses ou sucrées ou etc. etc. Moi, j'ai mangé normalement le midi. Et donc le soir, soit j'avais un potage, soit j'avais choisi du riz. Et là, je dois dire que... Alors le potage, j'avais pris donc le potage. J'avais pris un potage, un velouté de tomates, la soupe du jardin. Et donc celle que je vous ai montrée tout à l'heure, velouté potiron châtaigne. Le goût en lui-même est très bon. J'aime bien le goût de la soupe. Ça a un bon goût de légumes. La dilution, c'est un petit peu comme le matin, le sucré, c'est pas top. Hein. Il y a encore des morceaux, c'est un peu grumeux. Et je dois dire, alors c'est peut-être parce que moi je mange trop le soir, ça faisait pas assez. J'avais la dalle. J'avais la dalle, que ce soit la soupe ou même après, je vais vous parler du riz. J'avais franchement la dalle, pour moi c'était pas assez suffisant, consistant. Alors il précise bien qu'on peut rajouter des aliments si vraiment on a faim. Alors où est-ce que j'ai vu ça là-dedans, parce que je m'en rappelle plus, donc moi je vous fais la vidéo, mais j'ai pas pris ma leçon par cœur. Hein. Ce qu'ils appellent un open food, donc en gros si on a encore faim avec le smart meal, on a la possibilité d'avoir les open food, c'est-à-dire de rajouter des aliments qui vont nous caler quand même, qui vont nous enlever cette satiété, mais qui vont pas nous faire prendre de poids. Donc on va tout ce qui a trait aux légumes, donc quasiment tous les légumes, d'ailleurs tous les légumes, Les assaisonnements, ça va être jus de citron, vinaigre, herbes aromatiques ou épices, donc en gros pas d'huile, donc oubliez la vinaigrette standard. Après, tout ce qui est source de protéines, comme le fromage blanc à 0%, pareil pour les petits suisses, les carrés frais,
les desserts au soja, beaucoup entrés, enfin beaucoup en rapport avec le soja, du blanc d'œuf, évidemment pas le jaune, les poissons blancs, les blancs de dinde, le blanc de poulet, voilà, tout ce qui a tendance à être déjà en temps normal pas très calorique quand on le mange, qui va nous nourrir mais pas nous faire grossir. Et pas de fruits. Alors ça m'a beaucoup gênée, je dois l'avouer, parce que c'est vrai que j'aime quand même bien manger des fruits, que ce soit même là en hiver, on a beaucoup orange, pomme, poire, mais voilà, j'aime bien quand même manger un fruit. J'évite les bananes parce que je sais que c'est très 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 riche et donc très source de sucre et de protéines qui ne sont pas forcément obligatoires, on va dire, quand on fait attention à ce qu'on mange. Parce que voilà, ils sont tout simplement trop sucrés pour être consommés à côté des berlingots. En revanche, à midi, pendant le challenge ou pour maintenir votre poids par la suite, c'est permis. Mais toujours pas en illimité. Évidemment, il faut rester correct dans la prise des fruits. Parce que voilà, ils contiennent du sucre. Mais on a quand même besoin de sucre quand même dans la journée. Sachant que le Smart Meal contient tous les ingrédients que notre corps a besoin pour tenir toute la journée. Donc que ce soit celui du matin plus celui du soir, forcément les deux ensemble vont vous apporter suffisamment de sucre que vous avez besoin, tout comme les protéines, tout comme certaines vitamines, etc. Je vais etc. continuer donc avec la partie riz. Alors je vous l'avais montré pareil quand je vous avais fait la présentation au cours du vlog. J'essaierai de vous le mettre quelque part avec la bonne minute à laquelle vous atterrirez sur la vidéo pour éviter de vous taper toute la vidéo si vous n'avez pas envie de la regarder. Et je dois dire que la partie riz, c'est bof, de chez bof, de chez bof. Alors quand je mange du riz, j'aime bien. Alors le côté. Alors moi j'aime bien le faire cuire pour qu'il soit pas trop cuit, c'est-à-dire pas tout trop mou, mais pas cru non plus. Voilà, j'aime bien la limite entre les deux. Moi j'aime beaucoup le risotto par exemple. Et après j'aime bien le riz tout court, hein, le riz comme ça, juste avec un tout petit peu de beurre, un petit peu de sel. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup le riz, j'adore ça. Maman nous en fait depuis qu'on est gamine, enfin j'adore au riz. Et en fait, le petit sachet de riz, il suffisait tout simplement de le mettre dans, je sais plus, ça doit être 170 ou 75 ml d'eau, enfin bref, tout est écrit dans le petit bouquin. On le mettait dans l'eau, on le faisait chauffer au micro-ondes 4 minutes 30 à peu près. Alors déjà, l'aspect du riz était très étrange puisque ça ressemblait à du riz broyé, peut-être, voilà, ou de la semoule, je ne sais pas trop, enfin un truc dans ce genre-là. Alors j'ai pas essayé les pâtes, hein, donc je peux pas vous dire si les pâtes c'est pareil. Et donc déjà mon problème, c'est 4 minutes 30, même en dessous de 600 watts, puisque je crois que c'était à 600 watts, ça débordait. Donc c'était la partie négative du truc, ça débordait, c'était une catastrophe. J'ai essayé un récipient plus grand, mais ça ne changeait rien, ça a débordé tout pareil. Parce que j'en avais pour deux fois, donc j'ai fait deux fois différentes et ça a débordé. Donc autant vous dire, c'est une catastrophe. Résultat, comme vous en avez quand même beaucoup moins à manger que ce qu'il y avait dans le sachet, vous avez encore plus la dalle. Le goût était très bien. J'avais pris risotto aux champignons, je crois. L'autre, c'était Indian curry. C'est bon, mais c'est pas l'extase. Voilà, le risotto champignon était quand même pas mauvais. J'aimais bien ce goût de champignon. Par contre, voilà, j'ai pas trouvé que c'était l'extase. La quantité, autant vous dire qu'il y en a vraiment, vraiment pas assez. Je préfère encore la quantité de la soupe que j'avais l'impression qu'elle était plus importante. Et voilà, j'avais les crocs, j'avais faim. J'aurais tout donné pour manger. Donc je me suis retenue, j'ai pris quand même. Alors je n'ai pas de fromage blanc 0% à la maison, enfin tout ce qui est à 0%, il n'y en a pas. J'aime pas ça, j'ai pas l'impression de manger quelque chose. C'est que de la flotte, je trouve. Donc ça, il n'y en a pas à la maison, donc autant dire, je ne me suis pas ruée là-dessus. Par contre, je me suis fait des légumes à la place. Ça m'a permis quand même d'éviter d'avoir faim le soir. Par contre, le matin, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, mais je me levais, j'avais les crocs. Donc le berlingot du matin me calait bien, par contre, jusqu'à midi. À midi, je mangeais normalement parce que j'avais même pas spécialement faim, parce que le berlingot est super consistant pour le matin. Résultat, comme je mangeais moins le midi, il fallait que je tienne jusqu'au soir. Le soir, j'avais rien à manger, enfin très peu. Et 12 à moi, manger liquide deux fois par jour, c'est pas top. Moi, en temps normal, le matin, c'est juste un café. Donc je sais que c'est pas bien, il faudrait que je déjeune mieux le matin pour éviter d'avoir moins faim le midi, mais bon. J'ai pas spécialement faim le matin. Mais là, j'ai quand même joué le jeu. Je me suis forcée à le faire. Et je dois avouer qu'entre le pas assez du soir, cette texture avec des grumeaux, ou quand on l'avale, ça fait. Tu sais, tu mâches du liquide. Quand tu mâches du liquide, c'est que c'est pas bien. Donc, je dois dire que la qualité du produit, bof, bof, bof. Franchement, je pense qu'il faudrait améliorer un petit peu je sais pas, je sais pas comment ça se fabrique, mais voilà, là-dessus, je suis pas du tout fan, j'ai pas du tout adhéré, j'ai pas trouvé ça
très bon, hormis la soupe que j'ai bien aimée. Sinon, le reste, j'ai pas trouvé ça génial. C'était, voilà, c'est le fait que ça se dilue mal, c'est franchement pas agréable en bouche et c'est pas du tout, du tout, du tout. C'est pas bon. Voilà, moi, j'ai pas trouvé ça bon. Maintenant, au niveau de la perte de poids, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai pas trouvé que mon poids avait changé sur la balance. En gros, je suis montée sur la balance le lundi matin, je lui suis remontée le dimanche matin. C'était pareil, à 100 ou 200 grammes près, donc autant dire rien du tout. J'ai perdu un petit peu en volume au niveau de mon ventre, de mes cuisses aussi. Donc ça a fonctionné. Alors je ne me suis pas mesurée, j'aurais peut-être dû, mais je ne me suis pas mesurée. Moi je me suis fiée à mon pantalon et même Titi me l'a dit. Oui, on voit que le volume, enfin on voit que je dégonfle. Donc en gros je pense que j'ai perdu de l'eau, mais pas forcément ces mauvaises graisses ou ce gras que j'ai accumulé, surtout dans mon bidou et dans mes cuisses. Pour faire un bilan, j'ai pas senti en mois de carence ni quoi que ce soit, puisque alors normalement tout est fait à l'intérieur des Smart Meals pour que vous ayez votre, on va dire, votre besoin journalier d'apport en nutriments, que ce soit le sucre, parce qu'il faut quand même un petit peu de gras, les vitamines, enfin tout, tout, tout. De ce côté-là, rien à dire. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui peut marcher dans le temps. J'ai arrêté, ça fait 15 jours. Je crois. Oui, parce que ça fait déjà la semaine dernière que je voulais vous filmer la vidéo et puis c'était cuit. Et je dois vous avouer que mon bilan, pour moi, je vous conseillerais pas cette méthode-là. Voilà. Je suis désolée pour la marque SoChef, mais c'est pas un produit que je vais conseiller parce que je trouve que les résultats, déjà, alors ils sont très longs, donc c'est quand même très bien dans le sens qu'ils soient longs, parce que plus on perd doucement, plus ce qu'on a perdu, on le garde, enfin on le reprend pas surtout. Donc ça, de ce côté-là, je peux pas dire que ce soit pas bien. Par contre, la qualité du produit, le goût, le fait que vous avez encore faim quand vous avez terminé votre truc, enfin le truc de riz, c'était ridicule quoi, le bol de riz quoi, au secours, j'ai faim moi. Et alors, c'est un défaut de manger trop le soir, c'est vrai. Mais je préfère autant manger une bonne soupe sans forcément manger de viande, un peu de légumes, même pas de fromage, à la rigueur ça me gêne pas, et finir sur un fruit, ou ouais, enfin en général je finis sur un fruit ou des petits Suisses, un fruit, et là j'ai ma quantité, et là je l'avais pas la quantité, et c'est voilà, c'est vraiment le point négatif, et pour le peu que j'ai perdu, le sacrifice, entre guillemets, sacrifice, hein, que ça a représenté, je trouve que c'est infime, voilà. On n'a pas envie de se retaper une autre semaine à manger du liquide matin et soir, du trop peu en quantité. Et surtout de cette sensation de poudre de mâche, qu'on mâche du liquide, c'est pas terrible, c'est pas bon. Je mâche la purée, et encore même pas, je l'écrase avec ma langue sur le palais, je sais pas comment vous faites vous, dites-moi à la rigueur. Mais voilà, je suis pas fan de ça. Alors c'est très bien, peut-être pour des gens, pour d'autres personnes, peut-être que ça va leur convenir, moi ça me convient pas. C'est pas quelque chose que je vais vous conseiller au prix en plus que ça coûte, parce que je crois qu'on est à presque 50 euros la semaine, si je me trompe pas. Donc à 10 euros, on va dire, allez, j'exagère, hein, j'exagère, je me rappelle plus exactement, mais à 10 euros par jour, non, je suis désolée, non. Moi aujourd'hui déjà, je fais à manger moi-même, je ne mange pas pour 10 euros par jour, ça c'est clair. Et puis les résultats, je trouve qu'ils sont pas là, la qualité du produit, elle n'est pas là non plus. Franchement, je vous le conseille pas. Je suis désolée, SoChef, hein, je peux pas ne pas dire ce que je ressens réellement. Je suis pas emballée par ce produit. Je ne vous le recommande pas et je ne recommencerai pas, ça c'est certain. Voilà, il me reste un verlingot. Je vais l'utiliser quand même, mais c'est pas un truc top, moi je trouve. C'est pas ce que je vous recommanderais. Donc voilà pour ça, je suis désolée pour la marque si je vous ai déçue, mais voilà, je dis la vérité. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu et puis que vous essaierez peut-être vous de trouver quelque chose qui puisse fonctionner. Ou alors si vous avez un conseil à me donner pour peut-être essayer autre chose, n'hésitez pas. Moi j'aime bien essayer, alors que ce soit des produits soins ou des produits pour maigrir, j'aime bien tout essayer, donc je serais ravie aussi d'essayer, pourquoi pas. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!